Début 1661. La nuit enveloppe la forteresse de la Bastille. Un homme s'avance. Un geôlier le précède. Le geôlier ouvre la porte d'une cellule. C'est la troisième chambre de la tour Berthaudier. Et l'homme, un ecclésiastique, entre dans la cellule. Sur le lit, il y a un jeune homme qui ne dort pas et qui regarde avec stupeur ce visiteur imprévu. Ce visiteur qui s'incline très bas et qui s'assied. Et qui lui dit « Je suis venu vous apporter la liberté. » La liberté ? Oui, si vous le voulez, vous serez libre. Et tout à coup, le jeune homme qui se rétracte et qui réplique « Non, 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 je ne veux pas de la liberté. Je n'en veux pas, je suis très bien. Je suis très bien ici. On me traite fort bien, je suis bien nourri. Je ne demande rien. » Vraiment, Monseigneur, il a dit Monseigneur, et voilà le jeune homme qui s'inquiète, s'angoisse, s'affole, et l'autre qui lui dit « Oui, Monseigneur, parce que je le sais, et vous le savez aussi, vous êtes le fils du roi Louis XIII, vous êtes le frère du roi Louis XIV qui présentement est assis sur le trône de France. » Et l'autre commence à dire « Non, 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 si, Monseigneur, écoutez-moi. » Quand la reine, Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII, a attendu un enfant, la joie fut grande dans le royaume de France. Et quand la reine a accouché d'un fils, la joie fut plus grande encore. On attendait ce dauphin depuis si longtemps. Le roi a présenté son fils au peuple. Et puis ensuite, il est allé fêter avec ses gentilshommes la naissance du dauphin. Il était encore à table lorsqu'on est venu le quérir. Que s'était-il passé? Eh bien, vers la fin de l'après-midi, Sa Majesté la Reine avait été prise de nouveau des douleurs de l'enfantement. Et elle avait donné naissance à un second fils. Et on posait la question au roi, que faut-il faire? Les médecins étaient formels. On pensait en ce temps-là que, quand il y avait des jumeaux, l'aîné était le second parce qu'il avait été conçu le premier. Alors qui devait être roi quand Louis XIII ne serait plus là? Et Louis XIII, effaré, se disait « On ne peut pas soumettre le royaume à un si grand danger, deux frères qui risquent de s'affronter en compétiteurs, de livrer les Français à la guerre civile. » Et la décision a été prise. Celui qui venait de naître, on en cacherait la naissance. On le confierait à des gens sûrs. Lui-même ne saurait jamais qu'il était prince. Beaucoup de ceux qui m'écoutent auront compris que ce que j'évoque ici, c'est un chapitre du vicomte de Bragelonne, du cher Alexandre Dumas. L'ecclésiastique n'est autre que l'évêque de Vannes, c'est-à-dire l'abbé d'Herblay, autrement dit Aramis. Autrement dit, l'un des trois mousquetaires. Et la fabuleuse imagination de Dumas a, de toutes pièces, créé cette situation extraordinaire. Mais voyez-vous, la force de persuasion de Dumas est si grande que tous ceux qui ont lu son roman, et même ceux qui ne l'ont pas lu, disons-le, restent persuadés de la vérité de ce récit. Et mon métier me conduit à voir beaucoup de gens, en beaucoup de lieux, et je vous assure qu'il ne se passe pas de semaine depuis des années et depuis des années sans que je ne rencontre au moins une personne qui me pose la question « Dites-moi, le masque de fer ?» Oui, eh bien le masque de fer, c'est vraiment le frère jumeau de Louis XIV. Oui, on me pose la question.
Et on me la pose, je le dirais, avec plus d'assurance et plus de curiosité encore, et même plus de passion. Depuis que Marcel Pagnol, le grand Marcel Pagnol, a publié ses deux ouvrages sur le masque de fer. Et oui, vous ne savez peut-être pas que celui qui a été l'un des plus grands auteurs dramatiques de notre siècle et sans doute le plus grand mémorialiste de notre siècle, vous ne savez peut-être pas que Marcel Pagnol a consacré 10 années de sa vie à des recherches sur le masque de fer. Recherches approfondies, recherches sérieuses, recherches d'un véritable historien. Et savez-vous à quoi il a conclu ? Eh bien, que la légende n'était pas une légende, que le masque de fer, l'homme qu'on a dit, l'homme au masque de fer, était vraiment le frère jumeau de Louis XIV. Alors, nous avons tous tant d'admiration pour Marcel Pagnol, et moi tout le premier, que nous n'avons pas le droit de balayer une affirmation de ce genre. Il faut la prendre à bras-le-corps. Et il faut essayer de savoir si Marcel Pagnol a raison. Et pour commencer, je vous entraîne à Cannes, en l'an de grâce 1687. Et oui, 1687, il y a 3 siècles cette année, nous célébrons un anniversaire. Et là, au mois d'avril, devant la mer, vous savez, Cannes, c'est un petit village, il y a 12 maisons, 12 masures, quelques barques de pêcheurs. Là, devant la mer, quelque chose de bien curieux. Une chaise à porteurs. Et autour de la chaise à porteurs, il y a les porteurs, tous des Piémontais de Turin. Et puis autour, encore des soldats, les soldats l'escortent. Et puis voilà, devant tout ce monde, un monsieur d'une 60aine d'années, de belle allure, beaucoup d'autorité, avec une canne, c'est monsieur de Saint-Mars, qui vient d'être nommé gouverneur des îles Sainte-Marguerite. Mais le plus curieux, c'est que la chaise à porteurs est recouverte de toiles cirées, de sorte que personne ne peut deviner qui est à l'intérieur. Mais celui qui est à l'intérieur ne peut rien voir de ce qui est dehors. En vérité, c'est quelqu'un qu'on veut cacher. Une barque s'approche, on charge la chaise à porteurs sur la barque, tout le monde y monte, et l'on vogue vers l'île Sainte-Marguerite. Vous savez, ça n'est pas très loin. Le personnage qui est à l'intérieur de la chaise ne peut rien voir, mais monsieur de Saint-Mars regarde devant lui l'île Sainte-Marguerite qui s'approche. Et il voit là au sommet d'une falaise la forteresse, le fort. Et il y a des fenêtres là. Il les regarde et il les compte, c'est la troisième qui l'intéresse, avec ses grilles épaisses. Parce qu'il sait que ces grilles sont celles de la cellule où l'homme qui est dans la chaise à porteurs, son prisonnier, va être conduit dans quelques instants. Oui, ce prisonnier. Ce prisonnier qui, à Sainte-Marguerite, pour la première fois, va être revêtu d'un masque. Son visage va être désormais caché par un masque. Et cet homme-là, parce qu'un immense écrivain nommé Voltaire décrira ce masque et dira qu'il était orné, si j'ose dire, de ressorts en fer, deviendra cet homme-là le masque de fer. Pourquoi ? Alors comment ? Quand arrive-t-il dans l'histoire ? Quand le saisit-on, ce personnage que nous n'avons pas encore vu ? Eh bien, c'est en 1669 qu'à Pignerol, petite ville des Alpes italiennes, Pinerolo, aujourd'hui c'est italien, Pinerolo, à l'époque Pignerol était français. Petite ville,
sur la route de Briançon à Turin, et puis, à côté de la petite ville, une citadelle. Une forteresse qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à la Bastille. Avec un donjon isolé de la forteresse. Il y avait un gouverneur pour la forteresse, le marquis de Pienne, et un gouverneur pour le donjon. Et c'était déjà M. de Saint-Mat. En 1669, M. de Saint-Mat allait recevoir une lettre de Louvois, le tout-puissant ministre de Louis XIV. Louvois qui lui écrivait, Monsieur de Saint-Mat, vous allez recevoir un prisonnier qui vous sera conduit par Monsieur de Vauroy. Il faudra que vous fassiez préparer pour ce prisonnier un cachot si sûr que personne ne pourra jamais l'y approcher, que personne ne pourra jamais le voir, que personne ne pourra jamais l'entendre. Vous devrez seul entrer chaque jour dans ce cachot. Vous devrez seul porter à cet homme sa nourriture. Vous ne devrez vous-même jamais l'écouter. S'il ose parler de quelque chose d'autre que ses nécessités, et si jamais il se hasardait à vous parler de quelque chose d'autre, vous devez faire en sorte qu'il se taise immédiatement. Et Saint-Marc, qui est un soldat discipliné, jugulaire, avait répondu à M. de Louvois, « Monseigneur, si jamais il se hasarde à parler d'autre chose, je lui passe mon épée à travers le corps. » C'est évidemment la manière la plus rapide et la plus sûre de faire taire quelqu'un. Pourquoi toutes ces précautions? Car elles avaient été prises. On avait construit cette cellule. On avait fait une porte colossale. Et chaque jour, en effet, Saint-Marc entrait seul. Pas une personne, pas un soldat, pas un officier, pas un gardien dans ce donjon ne savait qui était ce prisonnier qu'on ne voyait jamais. Ce monsieur de Saint-Marc, je l'imagine se promenant sur les remparts de la forteresse de Pignerol et pensant au temps où il était encore enfant de troupe. À 12 ans, il avait une origine fort modeste. Il s'appelait de son vrai nom Bénigne d'Auvergne, d'Auvergne sans apostrophe. Et d'enfant de troupe, il était devenu mousquetaire, ce qui prouve des qualités, car on ne devenait pas mousquetaire comme on le voulait. À moi, mousquetaire! Le roi est en danger! Prenez vos armes! Messieurs, il y a de l'ouvrage pour nous! Et quand le jeune Louis XIV avait décidé de se débarrasser du surintendant des finances, Nicolas Fouquet, il estimait que Fouquet avait volé l'État. Eh bien, c'est D'Artagnan qui avait été chargé d'arrêter Fouquet. Mais Saint-Marc, car Bénigne d'Auvergne se faisait appeler Monsieur de Saint-Marc, ça faisait mieux, c'est Saint-Marc qui avait été chargé d'arrêter le collaborateur et ami de Fouquet, Pélisson. Il s'en était très bien tiré. Et le roi Louis XIV, alors que le Parlement avait condamné Fouquet à une peine de bannissement, le roi avait déclaré, dans ma bienveillance, je commue la peine de bannissement en celle de détention perpétuelle, c'est ce qu'il appelait sa bienveillance. Où irait-il en prison? À Pignerol. C'était loin de tout, c'était dans les Alpes, et de là, Fouquet ne s'évaderait certainement pas. Il fallait un gardien pour ce donjon de Pignerol qui était tout à coup changé en prison. On avait nommé Saint-Marc gouverneur du donjon de Pignerol. Et depuis, il gardait Nicolas Fouquet, il le gardait fort bien. Et voilà donc qu'en 1669, il avait vu arriver ce prisonnier étrange, ce prisonnier pour lequel il valait tant de mesures que j'oserais dire inouïes, et vous en êtes bien d'accord. Les années passent. Et
Et ce prisonnier est toujours là, dans ce qu'on appelle le cachot de la tour d'en bas. Il n'y a pratiquement pas de lumière, une fenêtre étroite, des planches avec une paillasse, c'est ce qu'on appelle un lit. La solitude totale, absolue. Et seulement une fois par jour, l'énorme porte qui s'ouvre. Saint-Marc qui arrive avec quelques aliments et une cruche d'eau. Trois ou quatre mots qu'on imagine. « Ça va ?» dit Saint-Marc. « Oui, » répond l'autre. C'est tout. Et des années, et des années, et des années. L'horreur. Et moi, le masque de fer, c'est aussi ça. Et voilà que dans cette prison, voilà un nouveau prisonnier qui surgit. Il s'appelle Lauzun. Alors lui, dès qu'il est arrivé, il a tempêté, il a hurlé, on a dû le porter de force dans son appartement, parce que il y avait l'appartement de M. Fouquet, l'appartement de M. Lauzun et le cachot de la tour d'en bas. Ce n'était pas du tout la même chose. Et Lauzun qui hurlait, qui était dans un état de fureur continue, il y avait de quoi, parce que ce petit cadet de province était arrivé un jour à Paris pour faire fortune, pour s'avancer. Il avait fait carrière. Et il était arrivé à ce point de réussite inouïe pour un ambitieux, pour un Rastignac, avant la lettre. C'est qu'il avait fait en sorte que la cousine germaine du roi, la grande mademoiselle, mademoiselle de Montpensier, tombe amoureuse de lui. À ce point qu'elle avait voulu l'épouser. Or, la grande mademoiselle, c'était la plus grosse fortune de France après le roi. Il y avait des provinces entières qui lui appartenaient. Le petit Lauzun devenant l'homme le plus riche de France et pénétrant par effraction dans la famille royale. Quand la grande mademoiselle était venue dire cela à Louis XIV, il avait été tellement stupéfait qu'il avait dit oui. Alors on annonce le mariage, la grande mademoiselle est folle de bonheur, Lauzun fou d'orgueil, et puis le roi réfléchit, se dit c'est pas possible. Ce petit Lauzun dans la famille royale, alors ben non, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et il annonce qu'il n'y aura pas de mariage. Alors la pauvre mademoiselle de Montpensier pleure jour et nuit, elle sanglote, c'est affreux à voir, à entendre. Quant à Lauzun, il se met dans des colères effrayantes, et il ose se mettre en colère devant le roi. Le roi est agacé et dit qu'on l'envoie en prison. Je serai débarrassé de ce gêneur. Et on l'envoie à Pignerol. De sorte qu'il a raté le plus beau mariage de France et qu'il est maintenant en prison. Ça a l'air d'une comédie, c'en est une jusqu'ici. Lauzun restera quand même 10 ans à Pignerol. Pas de jugement, bien sûr. Une seule décision du roi. Alors, l'arrivée de Lauzun va indirectement changer la destinée de notre prisonnier mystérieux. Mais il serait temps de nous demander ce que nous savons tout de même de ce prisonnier. Il y a une correspondance entre Louvois et Saint-Marc. Elle est abondante. Malheureusement, des lettres essentielles ont disparu. Mais ce qu'il en reste, et il y en a beaucoup, je vous assure, nous permettent tout de même de savoir un certain nombre de choses précises. Dans la première lettre de Louvois, il y a deux indications. Il lui dit, je vous envoie un prisonnier dont le nom est Eustache d'Angers. La petite précision, nous autres historiens, pendant des années, nous avons écrit et dit Eustache d'Auger, parce que l'on croyait dans les lettres lire D-A-U. Monsieur Jean-Christian Petit-Fils a apporté la preuve, par des documents indiscutables, que c'était Eustache d'Angers. Il faudra dire maintenant d'Angers. Donc, nous savons qu'il s'appelle Eustache d'Angers. Nous ne savons pas qui est Eustache d'Angers, nous ne sommes pas plus avancés. Tout de même, autre précision de Louvois, ce n'est qu'un valet. Bon, un anonyme nommé Eustache d'Angers et un valet. Donc, un personnage très insignifiant. Mais alors, pourquoi toutes ces précautions? Pourquoi toutes ces lettres de Louvois? Parce que ça n'arrête pas. Sans cesse, Louvois écrit à Saint-Marc, qui répond, attention, veillez bien à ce qu'il ne parle à personne. Et une lettre est très précise.
veillez à ce qu'il ne dise à quiconque, pas même à vous, ce qu'il a fait avant d'être arrêté. Une autre lettre, veillez à ce qu'il ne dise à quiconque, pas même à vous, ce à quoi il a été employé. Il a fait quelque chose. Non, j'ai quelque chose de capital qui trouble Louvois, qui inquiète Louvois, qui l'angoisse et qui l'angoisse pendant des années. Je vous disais que Lauzun, par son arrivée, allait changer le sort de danger. Parce que un grand seigneur comme Lauzun doit avoir des valets, même en prison. Fouquet a des valets, il en a deux. Et disons-le, et c'est très touchant, ces valets sont des volontaires. C'était les valets de Fouquet avant son incarcération. Ils ont demandé à le suivre en prison. Alors, comme Lauzun n'a pas de valet, Saint-Marc a une idée. Et il écrit à Louvois, puisque vous m'avez écrit que Danger, que Eustache Danger était un valet, pourquoi ne le donnerais-je pas à M. de Lauzun pour le servir? On peut penser en effet que Saint-Marc, au bout de tant d'années, avait eu un peu pitié de l'homme qui est dans son souterrain, dans la solitude la plus horrible, et qui ne dit rien. Il y a une lettre de Saint-Marc déchirante. Quant à mon prisonnier de la tour d'en bas, il se tait. Il semble content et résigné du sort qu'il tient de Dieu et de sa majesté. Moi, le fait qu'il se taise et qu'il paraisse résigné me paraît plus terrible encore que s'il hurlait jour et nuit. Alors peut-être que Saint-Marc a eu pitié et il s'est dit, ce serait une manière de le tirer de sa solitude. Je vais le donner comme valet à Lauzun. Lettre de Louvois, mais enfin Saint-Marc, à quoi pensez-vous? Le donner à M. de Lauzun? Mais il pourrait parler à M. de Lauzun. Il pourrait dire ce qu'il a fait. Alors, c'est vrai, dit Saint-Marc, et on ne le donne pas à M. de Lauzun. Et le temps passe encore, et l'autre est dans sa solitude. Et voilà qu'un des deux valets de Fouquet meurt. Et Saint-Marc revient à la charge. Pourquoi ose-t-il revenir à la charge? Parce que le sort de Lauzun et le sort de Fouquet sont très différents. Lauzun, on sait très bien qu'il sortira un jour. Fouquet est condamné à vie, il ne sortira jamais. Et Saint-Marc écrit à Louvois, pourrais-je donner cette fois le prisonnier de la tour d'en bas à M. Fouquet comme valet? Et Louvois, après avoir hésité, semble-t-il, et interrogé le roi, répond, le roi accepte que vous donniez le sieur Eustache Danger comme valet à M. Fouquet. Bien sûr, parce que si Danger parle, s'il livre son terrible secret, car il est terrible ce secret, c'est évident, eh bien, qu'est-ce que ça peut faire, puisque Fouquet ne sortira jamais? Il l'emportera dans la tombe, son secret. Et le roi a accepté. Et voilà Danger qui sort. Imaginez cet homme qui tout à coup respire un autre air que celui fétide de sa cellule, qui peut voir le paysage, la montagne autour de lui, qui parle enfin, qui entend une autre voix que la sienne, ou le « ça va » de Saint-Marc. Et il va servir Fouquet, avec la rivière, l'autre valet survivant. Mais attention, Louvois a donné des instructions très précises. Il ne faut jamais que si M. Fouquet est amené à voir quelqu'un d'autre, qu'il le voit en présence de Danger. Danger doit être renfermé tous les soirs dans son cachot. Et un beau jour, quand le roi accepte que Lauzun rencontre Fouquet, parce que aussi c'est une solitude terrible,
Le fait de pouvoir chaque jour bavarder quelque temps, c'est un soulagement pour l'un et l'autre. Le roi l'accepte, mais monsieur de Louvois déclare: attention, Saint-Marc, quand monsieur de Lauzun viendra voir monsieur Fouquet, il ne doit jamais rencontrer le sieur Eustache d'Angers. Tout est prévu. Tout. Ainsi, d'Angers ne pourra jamais rien dire à Lauzun, qui sortira un jour de son fameux secret. Et cela dure 5 ans. 5 ans qui auront été peut-être pour Eustache d'Angers après l'horreur de la tour d'en bas, manière de bonheur. Et puis en 1680, Fouquet meurt. S'il n'était pas mort, probablement Eustache d'Angers ne serait-il pas devenu l'homme au masque de fer. Mais il va le devenir. Comment? Je vous le dirai dans un instant. On a découvert que depuis très longtemps, Lauzun et Fouquet se rencontraient la nuit à l'insu du gouverneur, M. de Saint-Marc. Et que donc, si d'Angers avait révélé son secret à Fouquet, Fouquet avait pu le communiquer à Lauzun. Alors que faire? Et l'époque approchait où Lauzun allait partir, pour épouser d'ailleurs la grande mademoiselle. C'est un roman feuilleton invraisemblable, avec laquelle d'ailleurs il ferait très mauvais ménage. Ça, c'est une autre histoire. Que faire? Et Louvois trouve. Moi, ce qui m'étonne le plus, voyez-vous, dans cette histoire, c'est un très grand ministre. C'est qu'un très grand ministre comme Louvois passe tant de temps à se préoccuper de tout ce qui se passe dans ce donjon, à régler de loin, à des centaines de kilomètres, le sort de ce prisonnier dont on ne sait rien et qu'on appelle Eustache d'Angers. Et voilà ce qu'a trouvé Louvois. Monsieur de Saint-Marc, vous allez dire à monsieur de Lauzun qu'on a remis en liberté le sieur Eustache d'Angers et le sieur Larivière. Larivière, c'est l'autre vallée volontaire. C'est très fort. C'est très, très fort parce que, à supposer en effet qu'un jour Fouquet ait dit à Lauzun, vous savez, le valet, la Eustache, il m'a raconté une histoire inouïe, faut-il la croire? Faut-il pas la croire? Lauzun aurait peut-être été prêt à la croire. Mais quand on lui dit, vous savez, on l'a libéré, il se dit, tout ça, ce sont des fariboles. D'Angers n'a pas pu raconter ça. S'il était détenteur d'un tel secret, on ne l'aurait pas libéré. Dès le moment où on l'a libéré, c'est qu'il a raconté n'importe quoi. Et Lauzun s'empressera d'oublier ce qu'il a pu apprendre. C'est machiavélique, mais très fort. Et Lauzun quittera en effet Pignerol, persuadé qu'on a mis en liberté depuis longtemps d'Angers et Larivière. Mais on ne les a pas mis en liberté. Savez-vous, on les a mis tous les deux dans le cachot de la tour d'en bas. Oui, d'Angers retrouve son horreur. Et Larivière aussi. Larivière, je le répète, est un valet qui a accompagné volontairement son maître Fouquet. Fouquet est mort, on doit le renvoyer chez lui. Et parce que l'on redoute qu'il partage le secret de d'Angers, on l'incarcère dans le même abominable cachot que l'autre. Et personne dans le donjon ne le sait, sauf Saint-Marc. Même ses officiers l'ignorent. Et Saint-Marc est le seul qui entre dans ce cachot, le seul qui porte à manger à ses gens. Jusqu'au jour, un an plus tard, où Louvois lui annonce qu'il est nommé gouverneur de la place forte d'Exil, dans les Alpes également. Et c'était une très belle promotion. Il a bien sûr accepté, mais la question s'est posée de ses prisonniers. D'autres étaient arrivés au donjon depuis les dernières années. Il y avait eu le ministre d'un petit prince italien, le duc de Mantoue, qui avait négocié entre le duc de Mantoue et Louis XIV, qui avait trahi à la fois le duc de Mantoue et Louis XIV, et vous savez, il ne faisait pas bon trahir le roi Louis XIV. Le roi Louis XIV n'aimait pas ça du tout. De sorte qu'il avait fait enlever
Littéralement, sans autre forme de procès, il avait fait enlever le ministre en question, le nommé Mattioli, le comte Mattioli. Et il était là dans le donjon. Il y avait également un moine jacobin, je ne connais pas son nom. Un moine jacobin qui était là parce que il avait abusé dans tous les sens du terme de très grandes dames. Abusé parce qu'il leur avait extorqué de l'argent en prétendant pouvoir fabriquer de l'or grâce à la pierre philosophale, abusé dans un autre sens que vous comprenez facilement. Alors le moine jacobin avait été envoyé expier tout cela à Pignerol. Et puis il y avait un certain Dubreuil, un espion, qui avait lui aussi trahi le roi Louis XIV, et je vous ai dit déjà qu'il n'aimait pas ça, il s'était retrouvé Dubreuil à Pignerol. Ils sont donc cinq à ce moment-là, puisque à ces trois-là, il faut ajouter La Rivière et Danger. Instruction de Louvois à sa main. Vous laisserez à votre successeur la garde du nommé Dubreuil, du moine jacobin et du nommé Mattioli. Et Louvois a précisé, vous emmènerez avec vous le sieur Eustache d'Angers et le sieur Larivière. Mais oui, parce qu'il y a le secret. Et que Saint-Marc a veillé admirablement sur le secret. Qu'il a paré à tout d'une manière qui ravit M. de Louvre. Alors désormais, ces prisonniers-là sont liés à Saint-Marc. Et ils partiront avec lui pour exil, cette place forte en pleine montagne. Et là, de nouveau un cachot. De nouveau l'horreur. Il ne faut jamais oublier cela. Les années qui passent. La rivière meurt. Danger de nouveau seul. Et Louvois qui annonce à Saint-Marc, je vous nomme gouverneur des îles Sainte-Marguerite. Avec ce complément, naturellement, vous emmenez votre ancien prisonnier. Oui, mais nouvelle instruction. Jusque-là, ce prisonnier ne pouvait parler à personne parce qu'il avait un secret et il ne fallait pas qu'il le dise. Mais maintenant, il y a la comédie qu'on a jouée pour M. de Lauzun. Danger théoriquement est loin. On ne peut pas le promener sur les routes des Alpes et de Provence pour gagner Cannes en risquant que quelqu'un le reconnaisse. Tiens, c'est le fameux Eustache qui était le valet de M. Fouquet. Et le rapporte à Lauzun. Comment empêcher qu'une telle rencontre se produise? Et là, idée remarquable de Saint-Marc, décidément il était fait pour le métier qu'il exerçait. On le transportera dans une chaise à porteurs, mais on recouvrira la chaise à porteurs de toile cirée. D'où ce voyage étrange, extraordinaire. Et puis enfin, l'arrivée à Cannes, l'arrivée à Sainte-Marguerite. On avait déposé la chaise à porteurs dans la cour. M. de Saint-Marc avait éloigné les porteurs. Lui-même avait enlevé la toile cirée. Et l'homme qu'on avait trouvé dans la chaise à porteurs était presque un moribond. Et oui, le voyage d'exil à Cannes avait duré 12 jours. Et les contemporains nous ont souvent parlé des troubles que pouvait procurer un long parcours en chaise à porteurs. On avait le mal des transports et il était malade depuis 12 jours. Et puis en plus, il y avait la toile cirée. Il n'avait pas d'air, le malheureux. Il était à moitié mort. Alors on l'a porté tant bien que mal dans le couloir de la citadelle. Il y avait des portes qui s'ouvraient. Et dans ce nouveau fragment de couloir, à gauche, une porte qu'on a ouverte de nouveau. Thank you.
On était dans la cellule. Il y avait là une fenêtre avec trois grilles. Oui, une triple grille. C'est là que notre prisonnier mystérieux, Eustache d'Angers, va passer 11 ans. 11 ans. Arrivera un jour Mattioli, amené de Pignerol. Arrivera un jour Dubreuil, amené de Pignerol. Et puis Mattioli mourra là, à Sainte-Marguerite. Dans la région, on parle beaucoup de ces prisonniers. On essaye de savoir qui il est. Dans une lettre, Saint-Marc dit, certains disent qu'il s'agit de Monsieur de Beaufort, le petit-fils naturel du roi Henri IV. D'autres disent qu'il s'agit du fils de Monsieur Cromwell. Si l'on formule de telles hypothèses, c'est que on croit pouvoir deviner qu'il s'agit d'un personnage très important. Il est heureux, Saint-Marc. La Côte d'Azur lui plaît. Et puis, voyez-vous, il a fait fortune. Parce que s'il y a quelqu'un à qui l'affaire du masque de fer a profité, c'est bien Monsieur de Saint-Marc. D'augmentation en augmentation, il arrive à gagner des sommes folles. Quand il mourra, il laissera à ses héritiers plusieurs domaines à travers la France et 600 000 francs d'argent comptant, ce qui est une somme énorme pour l'époque. Alors il est assez heureux à Sainte-Marguerite lorsqu'un nouvel ordre, non pas de Louvois, Louvois est mort, c'est son fils qui lui succède, Barbezieux qui s'intéresse avec autant d'opiniâtreté aux prisonniers que son père, qui recommande toujours les plus grandes précautions, Barbezieux annonce à Saint-Marc qu'il est nommé au gouvernement de la Bastille. Nouvelle lettre de Barbezieux, naturellement, vous emmenez votre ancien prisonnier. Mais écoute, comment pourrait-il le laisser derrière lui, avec son secret? Mais nouvelle question. Il ne faut pas que quelqu'un puisse le reconnaître sur la route de Cannes à Paris. Alors la toile cirée, la chaise à porteur, non, cette fois le prisonnier a vieilli, il mourra sûrement en route. Et c'est là que Saint-Marc a l'idée. Faut pas cacher le prisonnier en entier, c'est pas la peine. Il n'y a qu'à lui cacher le visage. Donc, on va lui mettre un masque. Et le jour où il a pris cette décision, on peut dire que M. de Saint-Marc a donné son élan véritable à l'histoire du masque de fer. Imaginez ce parcours de Cannes à Paris. Et aux étapes, cet homme, grand, on le sait qu'il est grand, les cheveux blancs, habillé de noir, qui descend, et le visage masqué. De quoi faire parler toute une province, et c'est bien ce qui se passe. Et nous savons aussi que sur la route, M. de Saint-Marc s'est arrêté à son château de Paletot. Et nous savons par des gens qui l'ont raconté plus tard, qui étaient là, qu'ils ont soupé le soir. Alors les gens étaient accourus des fermes voisines, groupés dans la cour, ils regardaient de dos l'homme au masque, car Saint-Marc l'avait placé le dos à la fenêtre. Il était de l'autre côté de la table, Saint-Marc, mangeant avec son prisonnier, et il avait posé sur la table deux pistolets. Il y a 30 ans que ça dure. Mais oui, 30 ans! Et on continue à prendre les mêmes précautions insensées. Ils arriveront à la Bastille. Et en 1703, un jour de novembre, il meurt. On l'enterre au cimetière Saint-Paul, le cimetière de la Bastille, et sur le registre des décès, on inscrit
la mort du sieur Marchiali. La règle est en effet qu'on n'indique jamais le nom véritable d'un prisonnier mort à la Bastille, de sorte que ce nom de Marchiali ne veut rien dire. Danger est mort, Eustache Danger est mort. Mais nous ne savons toujours pas qui est Eustache Danger, et nous ne savons pas pourquoi il a vécu 34 ans en prison. Et alors nous revenons à Marcel Pagnol. J'ai connu Marcel Pagnol et c'est un merveilleux souvenir. Et j'ai parlé souvent avec lui du Masque de Fer. Je puis dire que ses recherches sur le Masque de Fer ont été la dernière passion de sa vie. Alors il a publié 2 livres sur le Masque de Fer et il a apporté beaucoup de documents nouveaux, ce qui est une prouesse pour un sujet dont se sont occupés tant d'historiens. Et quelle était son explication ? Il faut me suivre attentivement. Charles II aurait eu un fils naturel, appelé James de la Cloche. Officiellement, ce James de la Cloche, parvenu à l'âge d'homme, s'en va mourir en Italie. Mais, dit Pagnol, il n'est pas mort. Première chose qu'il faut admettre. En vérité, il est revenu en Angleterre et là, il a pris l'identité d'un certain Martin. Et en tant que Martin, il est devenu le valet d'un nommé Roux de Marcilly qui a conspiré contre Louis XIV. Louis XIV a naturellement fait enlever Roux de Marcilly, qui a été condamné à mort, et Roux est vif à Paris. Le nommé Martin, on avait essayé de l'attirer en France pour l'interroger. Mais après la mort de Roux de Marcilly, le ministre Lyonne écrit « Ça n'est plus la peine de faire venir Martin ».« Ça ne fait rien », nous dit Pagnol, « Martin a dû venir quand même ». Il faut aussi l'admettre. Martin, à peine arrivé en France, on s'en saisit, c'est le fameux monsieur de Vauroy, capitaine de Dunkerque, et transformé en Danger, en Eustache Danger, monsieur de Vauroy le conduit à Pignerol, et voilà l'histoire. Bon, vous allez me dire alors donc que ce Danger aurait été un fils naturel de Charles II. Pas du tout. Pas du tout. En réalité, en tant que fils naturel prétendu de Charles II, il était en réalité le fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il était le frère jumeau de Louis XIV. Je dois dire que les livres de Pagnol sur le Masque de Fer se lisent avec vraiment un intérêt proche de l'excitation, on lit ça comme un roman policier, vous le pensez bien, c'est du Pagnol. Mais honnêtement, il est impossible de suivre Marcel Pagnol. Un jour, Marcel Pagnol m'a dit, et je me souviendrai toujours de cette phrase, je ne crois pas l'avoir confiée à quiconque, je vous la confie à vous. Un jour, il m'a dit, avec un sérieux immense, et avec son accent de là-bas, il m'a dit, maintenant, je suis sûr de passer à la postérité grâce à mes recherches sur le Masque de Fer. Je ne suis pas sûr de bien imiter son accent, mais je suis sûr de ce qu'il m'a dit. Et avouez que c'est merveilleux, parce que bien sûr qu'il passera à la postérité, il y est déjà, et il y sera toujours. C'est le grand, le plus grand. Mais ça n'est pas à cause de ses recherches sur le Masque de Fer. Alors s'il n'est pas le frère jumeau de Louis XIV, c'est Voltaire qui a lancé l'affaire, toute l'affaire. Dans le siècle de Louis XIV, le premier, il a raconté l'histoire d'un homme qui est arrivé mystérieusement à Sainte-Marguerite. Il a parlé du masque, c'est lui qui a parlé des mentonnières d'acier. Et vous savez, Michelet a dit un jour, Voltaire c'est un gigantesque journaliste, mais bien sûr, il a tout du grand journaliste, l'art du suspense, l'art de retenir l'intérêt de son lecteur. Et justement, comme il a fait naître la curiosité de dizaines de milliers de lecteurs, et que son livre se vend très bien, il y a de nouvelles éditions, et à chaque fois il ajoute un détail. Alors peu à peu, les détails se gonflent, et il parle
du respect que M. de Saint-Mars a pour ce prisonnier et les officiers qui ne lui parlent que debout devant lui et découvert. Alors on sent que c'est un personnage immense. Et puis après des années et des années, au bas d'une page de Voltaire, une note, petit 1. Mais théoriquement, ça n'est pas de lui. On lit « Note de l'éditeur ». On pensait bien que l'éditeur, c'est Voltaire. Mais enfin, il n'a pas voulu se mouiller, comme on dit. Il est prudent, Voltaire, dans son audace. Il a déjà été à la Bastille, il n'a pas envie d'y retourner. Alors, note de l'éditeur. Moi, l'éditeur de M. de Voltaire, j'ai lu M. de Voltaire avec intérêt et avec passion. Et voilà ce que je crois pouvoir comprendre. Étant donné le respect qu'on lui manifestait, étant donné les précautions qu'on prenait pour cacher son visage, ce ne pouvait être qu'un prince royal qui ressemblait au roi de manière si frappante que personne ne pouvait, ne devait le regarder en face. C'était donc un frère du roi Louis XIV, un frère aîné de Louis XIV. Vous noterez qu'au début, ça n'est pas un frère jumeau, c'est un frère aîné. Et il faut dire que tout le monde l'a cru, d'autant plus que les quantités d'écrivains, de pamphlétaires, de libellistes ont repris avec bonheur le récit de Voltaire. Pourquoi? Parce que sous Louis XV, c'était déjà une machine de guerre contre l'absolutisme, contre l'arbitraire royal. Ensuite, Dumas est arrivé, j'allais dire Zorro est arrivé, Dumas est arrivé, et il a raconté cette fabuleuse fable du vicomte de Bragelonne. Mais de tout cela, nous ne pouvons rien retenir. Rien. Il n'était sûrement pas le frère jumeau Louis XIV. Voulez-vous savoir pourquoi il ne pouvait pas l'être? Tout le monde connaît la conception qu'avait Louis XIV de son métier de roi, de sa charge royale, de son identité royale. S'il a construit Versailles, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il fallait donner un écrin à l'absolutisme. Il devenait une sorte de pharaon régnant. Non pas peut-être par orgueil personnel, mais par orgueil de la fonction de roi. Est-ce que vous imaginez, et cet orgueil ne s'appliquait pas seulement à lui, mais à toute sa famille. C'était la famille du roi de France. Est-ce que vous imaginez le roi Louis XIV acceptant que l'on donne comme valet son frère à Nicolas Fouquet, le frère de Sa Majesté, le roi Louis XIV, le roi Soleil, allant faire le ménage chez Fouquet? Enfin, oui. Alors, est-ce que nous restons ignorants? Je ne crois pas. Monsieur Jean-Christian Petit-Fils, dont j'ai parlé tout à l'heure, a été frappé par une coïncidence remarquable. Peu de temps avant que Danger arrive à Pignan, Colbert est frappé par une maladie foudroyante. Terrible douleur d'estomac. Et les médecins disent qu'il a absorbé un mets ou une boisson dangereuse. Or, on connaît la haine farouche qui séparait Louvois et Colbert, les deux ministres du même roi. On connaît en même temps le personnage dur, méchant, sans scrupule aucun de Louvois, grand ministre. Il n'est pas question de dire le contraire, mais l'homme est profondément antipathique. Une haine qui peut aller jusqu'au pire. Et au moment, justement, où Colbert est frappé par ces douleurs effroyables d'estomac, Louvois avait grand besoin de se débarrasser de lui. Alors, explication, hypothèse de monsieur Jean-Christian Petit-Fils, nous sommes au moment des poisons, ce siècle, ce règne, celui des poisons, n'oubliez pas, l'affaire des poisons. 10 gouttes de ce produit foudroient un homme et ne laisse aucune trace. Il y a des gens qui tiennent boutique de poison. On vend ouvertement des poudres de succession. Quand quelqu'un a un père qui vit un peu trop longtemps, un père à héritage ou un oncle, eh bien, on va acheter les poudres à succession, le père ou l'oncle disparaît très vite et on hérite.
grand. Personnages du royaume ont été compromis dans cette affaire des poisons, y compris Madame de Montespan, la favorite du roi, oui. Et si Louvois avait demandé un personnage obscur, nous en convenons, Eustache d'Angers d'aller empoisonner Colbert. Et si d'Angers l'avait fait, Colbert, heureusement, réchappe. Mais attention, il y a un homme qui a barre désormais sur Louvois, c'est ce valet, c'est d'Angers. Alors il faut le faire taire. Envoyons-le à Pignerol. Et qu'il ne parle à personne jamais de ce qu'il a fait, et qu'il ne parle jamais à personne de ce à quoi il a été employé. Jamais, jamais, jamais. Et la suite, vous la connaissez. Et vous allez immédiatement me dire que vous êtes en train d'y penser. C'était si facile de le supprimer. Pourquoi tant de difficultés? Oui, mais attention, il fallait trouver un nouvel exécuteur pour exécuter d'Angers. Et ce nouvel exécuteur aurait eu à son tour barre sur Louvois. Alors encore un exécuteur, on n'en finissait pas, il valait mieux quand même faire taire d'Angers dans les conditions qu'aurait choisi Louvois. J'avoue que je suis séduit par cette hypothèse, car elle explique tout. Faut-il la retenir ? Il manque la preuve décisive. Elle est crédible, elle n'est pas certaine. Nous pouvons l'admettre, mais avouez-le, nous regretterons toujours que le masque de fer n'ait pas été le jumeau de Louis XIV. Nous regretterons toujours qu'on nous interdise désormais de rêver